Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'aime bien cette vidéo particulièrement parce que elle nous présente les centres, les écotechnoparcs de Skyway en Biélorussie. Et ensuite, on achemine sur le centre de recherche et d'innovation technologique dans l'émirat de Sharjah. Alors, Donatien Gérard, Camerounais. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue une fois de plus à ce webinaire, ce énième webinaire de présentation de la technologie Skyway. Alors, aujourd'hui, nous parlerons tout d'abord de l'aspect héritage dans ce projet parce que beaucoup de personnes le savent, c'est vrai, les actions que nous achetons à Skyway sont notre propriété et nous pourrons les léguer en héritage à nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Mais certaines personnes se demandent comment le faire. Et aussi, étant donné toutes les juridictions dans différents pays, quels sont les documents que l'entreprise peut m'offrir afin que je puisse établir mon certificat d'héritage pour mes descendants ou mes héritiers, ça dépend. Alors, nous commencerons par là, bien évidemment, et ensuite, nous verrons comment le projet Skyway entrera sur le marché du transport petit à petit. Ensuite, nous verrons clairement c'est quoi la technologie accorde de Skyway. Alors, sans toutefois tarder, voici des nouvelles importantes par rapport à l'héritage d'action du groupe de société Skyway. Voici d'abord, pour commencer, un commentaire du 28 octobre 2015 du notaire du district notarial Vibes, Natalia Gogol. La majorité des actionnaires du groupe de société Skyway sont des personnes d'un âge assez solide. Par conséquent, les informations sur l'héritage des actions sont bien évidemment pertinentes. Cette question revient régulièrement à toutes les conférences et réunions.
Les actions du projet Skyway sont une propriété héréditaire, comme une maison, un appartement, une voiture, des actions, par exemple Gazprom, des dépôts en espèces. Dans tous les pays, à quelques exceptions près, l'homologation est un notaire. Les proches intéressés à recevoir l'héritage doivent s'adresser au notaire du lieu de résidence du défunt dans le délai de 6 mois à compter de la date du décès et déposer une déclaration d'acceptation d'héritage. En déposant une demande, l'héritier revendique tous les biens qu'il connaît et dont il ne sait rien. Autrement dit, même si les actions ne sont pas spécifiquement répertoriées dans la déclaration, elles seront toujours héritées, même plusieurs années après le dépôt de la demande. Vous pouvez vous présenter au notaire et leur demander de délivrer un certificat d'héritage. Il existe deux types d'héritage, par la loi et par testament. Si le testateur n'a pas fait de testament sur l'héritage, de par la loi, les héritiers de la première étape sont appelés à l'héritage, conjoints, enfants et parents du défunt, qui se partagent l'héritage à parts égales. S'il y a un testament, seuls ceux qui sont spécifiés hériteront, les autres héritiers perdront leur héritage. C'est la règle la plus fondamentale de l'homologation. De plus amples détails sur la procédure d'homologation peuvent être obtenus sur le site web du notaire Natalia Gogol. Et maintenant, spécifiquement sur la formalisation des actions Skyway. Écoutez, nous sommes tous actionnaires de Eurasian Railway System Skyway. L'Eurasian Rail System Skyway Holding Ltd. Quelle que soit la société à laquelle nous avons acquis les actions, parce que vous savez, il y a des gens qui ont acquis des actions par SUIC, par exemple, Skyway Invest Group, d'autres en utilisant Railway System, d'autres en utilisant par Skyworld Community. Alors, quelle que soit la société via laquelle vous avez acquis les actions Skyway, nous sommes tous actionnaires du Eurasian Rail Skyway System Holding Ltd. Par conséquent, dans la déclaration d'acceptation de l'héritage, l'héritier doit préciser que l'héritage de la propriété sont les actions de la société Eurasian Rail Skyway System Holding Limited. Le notaire exigera une preuve documentaire de ce fait. La preuve documentaire est un extrait du registre des actionnaires. Veuillez noter que l'extrait doit être daté de la date du décès de l'actionnaire. Par conséquent, même si l'actionnaire s'est précédemment occupé d'obtenir un extrait du registre sur sa propriété des actions, cette déclaration ne fonctionnera toujours pas. Vous devrez en obtenir une nouvelle. Vous devez visiter le service juridique du groupe de société Skyway et déterminer comment obtenir un extrait du registre des actionnaires pour l'enregistrement de l'héritage. Fournir la preuve de la propriété des biens au défunt est la prérogative des héritiers. Le notaire ne sait pas ce que c'est que Eurasian Rail Skyway System Holding Limited, qui tient le registre des actionnaires de la société et comment obtenir un extrait de ce registre. C'est pourquoi vous devez le faire. Vos héritiers, bien évidemment, comme c'est spécifié. Après une période de 6 mois, le notaire délivrera un certificat de droit de succession pour les actions de Eurasian Rail Skyway System Holding Limited. Avec ce document, vous devez contacter la société Skyway ou les héritiers spécifiés dans le document seront inscrits au registre des actionnaires à la place du défunt. Vous pouvez poser une question sur le site du notaire si vous en avez. Eh bien, voici donc la source de cette information. Vous pouvez
avoir de plus en plus d'informations juste là sur l'image. Vous pouvez avoir le temps de regarder. Eh bien, nous ne le redirons jamais assez. Le transport Skyway prend un minimum d'espace sur le sol. 1 km de piste à cordes nécessite moins de 100 mètres carrés de terrain, bien évidemment, ce qui correspond à une largeur de chemin forestier. C'est 140 fois moins qu'une autoroute à 4 voies. La construction des pistes à cordes ne modifiera pas le paysage naturel et préservera les forêts qui produisent de l'oxygène. Des millions d'hectares de terres fertiles sous les chenilles peuvent être utilisés pour l'agriculture, ce qui est un très grand avantage. Important à savoir, comment est-ce que le transport Skyway sera-t-il mis en œuvre? Ceux qui viennent de se familiariser avec le projet Skyway nous posent souvent cette question. Comment le projet Skyway va-t-il introduire le transport Skyway dans les villes à fort trafic? Faudra-t-il démolir les vieilles routes et tout reconstruire? Les options pour l'emplacement des pistes de cordes à l'intérieur des villes peuvent être très différentes. Ils ne doivent pas nécessairement affecter tous les itinéraires routiers existants à la fois. Par exemple, les routes peuvent être démarrées sur des itinéraires où les supports de transport à cordes seraient les plus faciles à installer. Par exemple, comme vous pouvez le voir dans la vidéo de présentation du projet Skyway, l'introduction de Skyway dans les villes existantes peut commencer par la modernisation des gares ou des villes de transport public, comme le tramway. Ce sera une option plus optimale. L'important est que l'introduction du transport à cordes ne doive pas nécessairement commencer par les villes. Rappelons-nous que les millions de kilomètres de route ne passent pas à l'intérieur des villes, mais se trouvent entre elles. Par conséquent, il serait plus facile d'utiliser le transport Skyway dans d'autres directions en premier lieu, pour les itinéraires de fret entre les villes, pour les routes de fret dans les zones minières, pour les ports maritimes, pour les pistes faciles dans les régions difficiles d'accès, pour les voies interurbaines à grande vitesse, pour les itinéraires suburbains de transport de passagers à grande capacité. Ces solutions peuvent déjà permettre au projet Skyway de constituer une capitalisation impressionnante et à l'avenir de réaliser des projets de villes linéaires complets dont l'architecture sera dans un premier temps adapté pour le transport à cordes. Ce transport à cordes dont nous parlons donc, c'est une solution innovante, bien évidemment, au problème moderne de transport urbain de marchandises et à grande vitesse qui peut être construit sur n'importe quel type de terrain avec n'importe quel type de climat. Aujourd'hui encore, nous avons la possibilité de devenir copropriétaire de cette technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Figurez-vous que depuis 1914, l'usine de confiserie russe appelée Enyem produit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. Et comme on peut le voir là, c'est ainsi qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. Il y a une escalade ajourée avec un wagon suspendu. Est-ce anodin? Il y avait plusieurs illustrations dans la boîte à bonbons. Et sur chacune d'elles, il a représenté ce transport inhabituel. L'artiste avait donc prédit avec précision ce qui se passerait sur Terre. Le pandémonium des hommes et des machines, on y est aujourd'hui. Cette illustration suivante montre les voitures et les tramways qui entrent en collision. Les gens courent en essayant de ne pas tomber sur la roue. Et dans le ciel, on aperçoit le même tramway terrestre. Cette situation nous est déjà familière, non pas seulement par les images,
parce que c'est notre monde, c'est le transport de niveau 1 qui se déplace directement à la surface de la Terre. Et de nos jours, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports étant donc surchargés, les navires n'ont pas le temps d'attendre chacun leur tour. Pourtant, c'est ce qu'ils doivent faire. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne aujourd'hui, à savoir la surcharge des voies de transport et le manque de sécurité. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. Elle vit sa vie et essaie de résister à l'homme. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Regardez à quel point nous détruisons notre environnement. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Le fait est que, en branchant une voiture moderne sur une prise de courant, grâce à celle-ci, nous nous connectons directement à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent aussi, certaines grâce à des combustibles fossiles qui, eux, pollue également l'environnement. L'un des moyens de sortie de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Donc, le quatrième défi est celui de réduire la consommation d'énergie. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre. Plus haut, deuxième niveau. Oui, il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence. Plusieurs tentatives de solutions existantes sont inefficaces. Les photos que vous voyez n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a réussi à combiner ces deux technologies. Le déplacement sur un câble tendu comme une corde et un moteur intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leur simple roue rouleau, pas de roue moteur, nous obtenons un nouveau système de transport. Il ne faut donc pas confondre ce système de transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur moteur, ils sont simplement tirés sur le sol. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol et le funiculaire sur le flanc des montagnes. Le transport que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Eh bien, nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Fixons donc le problème qui consiste ici à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. On peut voir sur cette image tout cela.
Eh bien, la prochaine étape consiste à créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et seulement alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant pour éviter les travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes. Il est possible donc de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons donc la méthode tout d'abord utilisée par les enfants précédemment au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, on pose plutôt le câble. Et les supports lourds n'étant donc pas nécessaires, on les remplace par des supports légers. On va donc tirer le câble et fixer ses extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires et là, nous plaçons notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons une structure de rail unique dont voici la coupe en section. On a la remplisseuse, le corps du rail, les cordes et la tête du rail. Sur cette base, donc, il est possible de créer trois types de structures de trajet. Chacune d'elles a ses propres tâches et avantages. On a une structure rigide, semi-rigide et souple. Voici les dimensions réelles du rail semi-rigide et souple. Ce photomontage montre des haubans supportant le vrai pont. Les mêmes haubans peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes. En passant dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Ceci n'est pas un photomontage comme la photo précédente, mais une vraie photo prise en 2019 dans l'éco-technoparc de Skyway, près de la ville de Minsk, en République de Biélorussie. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rail à cordes est qu'elles n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau, Skyway, est d'assurer la sécurité maximale des passagers, l'absence de pilote et le passage au contrôle automatique éliminent donc l'influence du facteur humain. Et bien sûr, la conception a un système anti-déraillement spécial. Il est possible de réduire la charge de la structure de trajet et augmenter la capacité de la bande passante de la manière suivante. On peut diviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera donc pas difficile de résoudre ce problème logistique. Revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non simplement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique de l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Et là, on a fait déjà au quatrième problème suscité. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation de carburant de celle-ci. Le transport de second niveau, sur ce transport, les flux d'air de dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici donc l'appareil qui vient d'être présenté sur le schéma précédent en grandeur nature. Il permettra d'économiser
jusqu'à 880 tonnes de carburant par an, ce qui est une très grande première, ce qui est un très grand avantage. Maintenant, rappelons les problèmes liés au transport moderne que nous avons cités au tout début, savoir la surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Eh bien, sur ces différents diagrammes, on peut voir que le système de transport Skyway, qui est peu en vert, offre la solution la plus optimale. Dans ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives de ces différents véhicules modernes et le transport Skyway. On se rend compte qu'il est le plus optimal en termes de coût du capital, le coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie, la capacité, le niveau de pollution de l'environnement et le taux d'accident de transport. Skyway reste le plus optimal. Eh bien, le graphique montre clairement l'avantage du transport à cordes. On se rend compte qu'en termes de coût et de délivrance et temps de délivrance, il reste le plus optimal. Et j'aime bien ce tableau, surtout la dernière colonne, où il s'agit de comparer le système de transport Skyway aux autres systèmes de transport conventionnels, à la fois opérationnels et projetés. On se rend compte que le système Skyway est le plus optimal et aussi le moins cher, il est jusqu'à près de 10 fois inférieur en termes de coût par kilomètre aux autres systèmes de transport. Skyway, donc, qui est le transport du deuxième niveau, est un transport léger, rapide, économique et surtout écologique. L'auteur du projet est ce monsieur, Anatoli Edouardovitch Yunitsky. Il a fallu 40 ans de recherche, de calcul, d'expérience pour que sa création voie le monde. Ce monsieur est l'auteur de plus de 150 inventions, 20 monographies, 200 articles scientifiques, chef de deux projets de l'Organisation des Nations Unies, aussi membre de la Fédération de navigation cosmique de l'URSS. Alors, c'est pas n'importe qui, les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur son site uniski.ingénieur. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Actuellement, 7 modes de transport pour les passagers ont été développés. Et aussi, voici en image réelle prise à l'éco-technoparc de Marina Gorka, les différents engins qui circulent, qui sont démontrés. Ensuite, nous avons 4 autres modèles pour le transport des marchandises qui ont été développés. Le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus du sol et au-dessus de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ainsi donc, ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler le terrain, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin d'un accès au sol le plus minimal qui soit, et avec les méthodes modernes de livraison de structures de construction par des drones volants, cela est également fourni par la technologie. Il n'est donc pas nécessaire de poser des voies d'accès au site d'installation des supports. Le transport à cordes s'intègre facilement à n'importe quel type de paysage. Il s'intègre facilement dans les infrastructures urbaines et à ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à 18 grandes expositions internationales de Berlin en Singapour, où il a toujours attiré énormément l'attention. Ces photos ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition InnoTrans. Notez la photo en haut à gauche. Les employés du stand des téléphériques suisses et tous ceux qui sont présents regardent en direction de Skyway.
Bien évidemment, il est impossible de passer devant l'appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport à cordes a passé les tests peuvent être facilement trouvés sur le site. La technologie du transport à cordes a obtenu 83 brevets et plus. Dans 18 pays, des États-Unis à la Chine, plusieurs certificats et plusieurs récompenses aussi. Si c'est diapositive, il faut savoir que vous n'avez qu'un dixième. Je ne vous présente qu'un dixième des documents que l'entreprise a. Le reste, vous pouvez les trouver sur leur site web. Sans aucun doute, il est impossible pour un seul homme de mener à bien un tel travail titanesque. Et pour ce faire, donc, la société Uniski String Technology a été créée à Minsk, République de Biélorussie. Depuis 2019, la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété de bureaux et de production couvre une superficie de 10 000 mètres carrés et plus. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport des marchandises, des passagers, le transport urbain et interurbain à grande vitesse et à hyper vitesse suspendue et montée, d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes. Quatre autres modèles, y compris dans la version tropicale, sont en cours d'exécution. Non loin de Minsk se trouve l'Écotechnoparc, le premier site d'essai, de certification et de démonstration de la technologie à cordes Skyway. Ici, c'est une photo de 2016. Et voilà, 3 ans plus tard, une photo de 2019. C'est ainsi que se présente l'Écotechnoparc de Skyway aujourd'hui. 3 ans plus tard, chaque année, à l'heure de l'Écofest, des milliers d'investisseurs se rassemblent et sur ce site pour voir de leurs propres yeux les réalisations et s'assurer de la réalité de tout ce qui se passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau ici est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation Skyway aux Émirats arabes unis. Le centre d'innovation Skyway de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe Skyway lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient. Ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah et le transport aux Émirats arabes unis sera une preuve supplémentaire, tout simplement, que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre et ce transport, dans un avenir pas si lointain, s'intégrera naturellement dans le paysage terrestre. Il ne nous surprendra plus comme le fait le métro et le tram aujourd'hui. Ainsi donc, le transport aérien Skyway, nous pouvons dire qu'il est un transport innovant. Innovant étant donné toutes les caractéristiques suscitées durant le webinaire. Ensuite, il se déplace au-dessus du sol. On l'a tous très bien vu. Il a une très grande vitesse. On peut aller jusqu'à 1 200 km par heure. Et jusqu'à 600 km par heure. Et il est efficace. Efficace, effectivement efficace, sûr. On a un système anti-déraillement spécial. Il fonctionne automatiquement, facilement intégrable. Il s'intègre facilement à la nature et aussi éco-friendly, écologique. Ainsi donc, voici, nous sommes parvenus au terme de cette présentation de la technologie Skyway. Je crois que vous avez apprécié, vous avez compris que nous avons affaire à une technologie qui est au-dessus de toute autre technologie de transport actuellement existante et même projetée. Alors, comme d'habitude, je vous laisse avec cette vidéo présentant le site, le centre de recherche et de développement technologique à Sharjah, aux Émirats arabes unis, une belle vue de la piste.
la piste d'essai à Sarja avec cette unicar. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire et des dernières nouvelles du projet. Ciao les amis. We'll be right back.